même. Bon, ciao. Ah, merci. Non, parce que c'est un très bon document, ça. Il faut que je le fasse, ça, parce que pour l'avant, c'est très utile, ça, pour savoir faire les pensées. Après, pour les poser, c'est pas pareil, on ira les poser là-bas. Oui, oui, c'est pas long. Non, fais-le. Bon, tu fais ça lentement, alors. Bon. Tu vois bien? Oui, oui. Montre-lui bien la main. Montre-lui bien la main. Ishtiki Musa che ti ascolti, eh? Da chi ishtiki hai siete? E me chi è me chi, eh? Tu arrivi di temps en temps con lui per montrare le posizioni. Voilà. À cause de la caméra, tu lui montres comme ça. Hein? Je te dis, Nassau, fais les gestes lentement. Montre-lui toujours la main, montre-lui encore. Voilà. Voilà, tu lui montres bien. Ça saute, Bakari qui est au sol. Ah ouais. Eh, Bakari. Un peu de ciseaux. En Espagne, ils font pas comme ça. Ils préparent tout et ils les mettent sur le pantalon. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, j'ai vu ça les Espagnols. Moi bon, aussi, oui, les pantalons. Voilà. Fais lentement, fais toujours lentement. Et tu dégages ton nez pour bien montrer la forme. Hein. Voilà. Bon, tu peux couper là, hein. Et c'est la première phase de préparation de la main avant de mettre les pansements. Il faut tout d'abord bien se laver les mains avec de l'eau savonnée, de l'eau tiède de préférence. Ensuite, et cela plusieurs fois, ensuite il faut bien se sécher la main, d'abord avec une serviette, et ensuite il faut avoir au préalable préparé une petite bougie ou bien une flamme de gaz et se passer la main sur le gaz plusieurs fois pour que toutes les aspérités, c'est-à-dire que toute la sueur, toute l'humidité de la main s'en aille, et au fur et à mesure on l'essuie bien sur une serviette, on repasse la main de nouveau sur la flamme jusqu'à ce que la main soit tout à fait sèche, complètement sèche, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à mettre les pansements. Parce que si vous commencez à mettre les pansements avant d'avoir bien lavé la main et qu'elle soit tout à fait séchée à la flamme, le pansement ne tiendra pas parce qu'il y aura une petite particule humide qui va rester entre la paume de la main et le pansement. Donc c'est une précaution absolument indispensable avant de mettre les pansements. Entre les... On pourrait expliquer que oui, voilà. Les Espagnols mettent du bouchon. Voilà. Voilà. Alors ça, on pourrait expliquer. C'est ça que je voudrais. Oui. Bon, alors, la deuxième phase, vous avez tout d'abord vu que nous avons parlé de la première phase, qui est celle de se préparer la main elle-même, c'est-à-dire sans pansement, de bien la laver et de la sécher. La deuxième phase, ensuite, c'est les pansements que le joueur vient de mettre. Et la troisième phase, c'est de mettre encore des protections. Ce sont des petits matelas de protection. Alors, en réalité, en Pays Basque Sud, pour le mur à gauche, on met des petits bouchons, des petites plaques de liège. C'est préférable à ce que fait le joueur. Mais lorsque on n'a pas des plaques de liège, on peut plier le chatterton et le mettre tel que le met le joueur. Ce qui remplace le liège. Ce qui remplace le liège. Oui.
C'est quand même pas mal de temps de préparation tout ça. Voilà, il faut une bonne demi-heure de préparation de la main. Une demi-heure quand même. Une bonne demi-heure. Les joueurs, notamment tous les joueurs en mur à gauche, tous les professionnels d'Espagne, arrivent régulièrement sur le fronton une heure et demie avant la partie et se préparent minutieusement la main. Ils ont déjà la petite lampe à réchaud ou s'il n'y a pas de but à gaz pour préparer la flamme. Ils se font les pansements à l'avance. Tous les pansements sont coupés au couteau à l'avance. Ils les collent sur le pantalon et c'est avec un soin minutieux qu'ils se préparent la main. Et lorsque ce pansement est bien fixé, il peut durer des heures. Il n'y a pas de transpiration de sueur qui va faire sauter le pansement. Si un pansement saute, c'est qu'il a été mal fait. Et c'est pour cela qu'il faut habituer très jeunes les enfants à faire les pansements, des bons pansements. C'est une garantie contre le mal de mer à 50% et même davantage. Alors, il y a ceci, pour les amis de San Francisco par exemple, ils vont jouer, vous jouez par exemple en mur à gauche beaucoup. Oui, c'est en mur à gauche. Si vous jouez avec la pelote française, c'est-à-dire la pelote de 92 grammes, il faut mettre des pansements moins épais. Parce que la pelote est plus légère. Parce que la pelote est plus légère et plus petite. Oui. Maintenant, si c'est souvent le cas, vous jouez avec ce qu'on appelle les pelotes intermédiaires, les pelotes qui pèsent entre 96 et 98 grammes. Ce qu'on appelle la pelote espagnole ? Non, ce n'est pas la pelote espagnole. C'est la pelote intermédiaire entre la pelote espagnole et la pelote dite française. La pelote française, intermédiaire, oui, bien oui, sûr. Elle a 92 grammes. La pelote espagnole pèse de 105 à 106 grammes. Et comme c'est une pelote, surtout pour les Basques du Nord, qui demande une grande accoutumance, nous avons, nous, à Biaristarac, mis au point une pelote qu'on appelle intermédiaire et qui convient très très bien pour le mur à gauche tel que nous le pratiquons en France. En France. Et donc ce sont des pelotes qui font 96 à 98 grammes. Et vous venez de me dire que ça vient de Biaristarac, ça. Oui, c'est Biaristarac, parce que nous avions organisé un très important tournoi dans un mur à gauche que nous avions rénové à La Repunta et la pelote française était trop vive, ne convenait pas. Alors nous avions étudié une pelote qui convenait donc à ce mur à gauche un peu court. Et c'est nous-mêmes qui avions fait faire à M. Mendiag, une pelote qui pesait 98 grammes, qui avait 22 grammes de gomme. Et cette pelote a convenu parfaitement et elle a été ensuite, pour le mur à gauche, adoptée dans tout le Pays Basque Nord. Elle a été acceptée par tout le monde. Par tout le monde. Mm-hmm. Mais alors, donc, quand on joue avec la pelote intermédiaire, on peut mettre un pansement un peu plus épais que pour la pelote française. Ah, c'est ça, je comprends. Et alors, pour la pelote espagnole, il faut vraiment la mettre très épais. Alors, pour la pelote espagnole, c'est le type même de pansement que notre ami Daniel est en train de faire maintenant. Et comme je vous disais avant, ça prend beaucoup de temps. Il faut se préparer. Une bonne demi-heure pour faire ça lentement. Et parce que ça se fait par étapes. Il ne faut jamais être pressé. D'ailleurs, c'est toujours un tort pour une partie de pelote d'arriver en retard. Parce que non seulement on fait mal les pansements, mais même c'est au niveau de, si vous voulez, de la concentration qu'exige un joueur pour une bonne partie de pelote, il est ce qu'on a dit sur les nerfs et il perd facilement les 10 premiers points par un manque de concentration parce qu'il est arrivé trop en retard. Il peut arriver à cause de ça, arriver à perdre oui. des points à cause de oui, ça. Oui, c'est sûr. Alors voilà, la main de Daniel Motoberi, elle est prête. La main est prête. La main est prête à jouer. Et vous faites juste qu'une main ou vous faites les deux mains? Si un joueur a une main gauche fragile, oui. Dans le cas de Daniel, c'est différent, il est gaucher. Il est gaucher. Pour cela que vous voyez une démonstration de la gauche. De mise à des pansements avec la gauche. De la main gauche. Mais il est recommandé, même pour les enfants, de protéger la main gauche également. Il n'y a pas de raison, parce qu'il faut habituer les enfants à jouer des deux mains. Donc, c'est très souvent qu'on a mal à la gauche. Et le mal de main de la gauche est plus difficile à passer, comme on dit ici, que le mal de main de la droite, très fréquemment. Donc il ne faut pas hésiter à protéger également
la main gauche. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Casaubon. Hein, et bon. On se reverra de toute façon à San Francisco, j'espère, un jour. Alors, cette petite émission, je souhaite qu'elle soit profitable à tous nos grands amis de San Francisco. Bon, ben, on va parler de la fête de... que nous avons faite, André. Nous allons parler de la fête de... Bon, le fait, et je crois qu'il y a eu pas mal de gens qui ont... des joueurs de la société qui ont quand même rendu service et... Vous avez fini à quelle heure? On a fini vers 2h. Ah, puis ça a été vite fait. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu bagage, à 2h30 tout le monde était... Tout le monde était ici. Tout le monde était fini, tout le monde mangé. On a trouvé qu'on était 16 à 17 au moins à servir. Oui, il y avait du monde. Là, on était nombreux. C'est encourageant. Nous, on travaillait et puis tout le monde s'y faisait. Oui, oui, oui. Et les petites filles, là, la nièce de... De Chambéro. Il est resté jusqu'à 2h. Du joli monde. Ça travaillait bien. Mais le feu d'artifice a commencé en retard. Il a récupéré des sous, d'ailleurs. À 11h. Hein. C'est sûr, 11h10. Ils avaient un problème de quelle nature? De marée. De marée, oui. Ma mère était très forte, on s'en est pas rendu compte, nous, mais elle était très forte. On était hier à Sempé. Oui. On avait trois jolies parties. Il y avait une partie de Toussaint Yoko Garbi, entre Vidache et Salis. Il y avait, après, il y a une partie de Rangan avec Poussin également, qui est arrivé contre Vidar. Ah. Et on a remarqué, avec Jacques, il est un joueur assez extraordinaire. Un peu... Là, il a place au-dessus des autres. Ah, ouais. Les juniors, vous avez? Les juniors, alors, assez décevant. Ils ont commencé très très fort. Oukar a tapé aussi très fort pendant les premiers points. Au bout de 4 ou 5 points, on a senti qu'il... Il ralentissait, puis il a eu mal à la main et il est passé devant après Mouscard a joué derrière, mais il a fait quand même pas mal de fautes Mouscard aussi en voulant forcer. Mideondo a fait une grosse partie. On sent qu'il y a deux garçons qui ont une très grande classe, ah, oui, c'est Mideondo et Mouscardi. Oui, mais Inda... À côté de deux autres. Tandis que les deux autres, c'était... C'est une équipe de Mouscardi. Mouscardi. Il est difficile à jouer le fantôme de Sempé. Inda. Thank you.